Mon poste chez West Valorisation consiste à encadrer une équipe pluridisciplinaire composée de chargés de projet thématiques et d'un chargé de projet de R&D. Ce poste comporte un certain nombre de missions, parmi lesquelles on retrouve la définition de la stratégie qui est propre à chaque business unit. Ce qu'on appelle business unit, ce sont des unités commerciales. On définit aussi les objectifs. Et il y a une grande part de management dans ce poste. Il s'agit de dynamiser l'équipe, d'animer l'équipe et de créer un environnement collaboratif inclusif. Ce poste présente de nombreux avantages. On rencontre un certain nombre d'entreprises, on rencontre l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la valorisation, on a aussi l'opportunité de rencontrer des chercheurs issus des laboratoires de recherche académique, de voir ce qu'ils font, de s'intéresser à leurs thématiques de recherche, de visiter leur laboratoire. Et enfin, au sein de West Valorisation, il y a une équipe pluridisciplinaire au quotidien qui est là pour travailler avec nous sur des sujets spécifiques tels que la communication, le marketing ou encore des sujets plus spécifiques juridiques. L'une des principales qualités, avant tout la curiosité. Il faut montrer un intérêt pour la recherche scientifique, s'intéresser aux thématiques des chercheurs, s'intéresser également aux entreprises, à leurs besoins, à leurs stratégies de développement. Ensuite, il faut aussi disposer d'une qualité managériale, être à l'écoute des collaborateurs, générer un environnement de travail agréable, manager. Alors, en toute honnêteté, ce qui me plaît plus chez West Valorisation, c'est l'ambiance de travail. Il y a une ambiance assez jeune, conviviale et agréable. On a plaisir à venir au travail le matin. Mon conseil, si tu souhaites postuler chez West Valorisation, est de montrer ton ouverture d'esprit. Montre que tu es curieux, tolérant et ouvert aux idées des autres.